Bonjour, bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous donner plein de conseils pour créer vous-même votre rythmique de hard rock dans le style du groupe AC/DC. Ça va être aussi l'occasion de comprendre un peu comment rythmiquement et harmoniquement les riffs de leur rythmique sont construits. On va faire ça sur une piste de batterie que j'ai créée pour l'occasion, qui est à 133 BPM, qui correspond à la pulsation au tempo de Rock'n'Roll Singer, mais aussi ça marche pour d'autres morceaux comme It's a long way to the top. Voilà, donc ça c'est la première étape, avoir une piste de batterie et un tempo donné, parce que en fonction du tempo, les rythmiques vont pas forcément. Enfin, il y a certaines rythmiques qui vont bien sonner à certains tempi et à d'autres non. Donc voilà, on a ce tempo en tête. On va choisir un groupe d'accords. Les groupes d'accords dans lesquels piochent souvent les compositeurs, enfin ceux qui faisaient les morceaux dans AC/DC. Donc on va partir sur un morceau en Mi majeur. Mi majeur ou en La. On va plutôt prendre La majeur. Donc les accords qu'on peut jouer lorsqu'on joue un morceau en La, dans le groupe AC/DC, qui joue quasiment que des morceaux majeurs, c'est un La majeur, qui va être notre degré 1, l'accord principal du morceau. Les autres accords qu'on peut jouer, c'est le Do, le Ré, le Mi majeur et le Sol. Dans certains cas, on trouvera des fois un Fa majeur, mais c'est assez rare. Il y a quelques morceaux où on trouve cet accord-là, mais nous, on va rester sur le La majeur, donc que des accords majeurs. Le La, le Do, le Ré, le Mi et le Sol. J'explique pas trop la logique harmonique qu'il y a derrière, pourquoi on peut jouer ces accords et pourquoi ils sonnent bien les uns avec les autres. C'est quelque chose que je fais dans une formation qui est disponible sur mon site, Guitare Improvisation. C'est une formation qui s'intitule AC/DC et les phrases rock. Donc c'est vraiment une formation axée sur l'improvisation et sur les phrases de Angus Young, et puis la création de phrases rock en fait, puisque Angus Young c'est un guitariste qui est très influent en rock et qui joue beaucoup de phrases typiques qu'on joue souvent en rock. Mais même si cette formation elle est vraiment axée sur l'improvisation, il y a une partie, la première, où je parle du choix des accords, des rythmiques, ce genre de choses, et puis j'explique la logique harmonique de pourquoi on peut jouer ces accords. Donc, le La. Donc évidemment, on veut prendre une distorsion, hein, et puis une guitare qui permet d'avoir un son qui s'approche du son d'AC/DC. Donc là, j'ai sélectionné le micro chevalet. Le Sol, on va le jouer en étouffant la corde de La. Donc, pas comme ça, mais comme ça. Le Ré, si on veut, on peut le renverser sur sa tierce, comme on trouve dans la rythmique de Highway to Hell. Et pour faire une rythmique efficace, il va falloir donc piocher dans ces accords, faire quelque chose d'assez répétitif. Faut pas que ce soit La, Ré, Sol, Mi, Sol, La, Ré, Do, La. Il faut qu'il y ait un truc répétitif, donc on va pas forcément utiliser tous ces accords. Et il faut qu'il y ait des silences. Il peut y avoir des accords tenus des fois, mais pour la rythmique principale du morceau, donc pas celle qu'on va jouer sur le refrain ou sur le solo de guitare, mais sur le couplet, il faut que ce soit percussif et il faut qu'il y ait beaucoup de silence. C'est très très important et c'est une des choses vraiment spécifiques et vraiment marquées dans le hard rock, c'est que les rythmiques sont très percutantes parce qu'il y a beaucoup de silence. Donc c'est alternance, gros son et silence. Et c'est ça qui fait un effet si efficace en fait à ces rythmiques. Donc, par exemple, si je prends un tempo lent, 3, 4. Voilà, donc là j'ai un accord piqué, un deuxième accord piqué, et après un accord tenu. Pourquoi pas? Je vais essayer de chercher des rythmiques comme ça. Un truc que je vous conseille de faire pour trouver des rythmiques sympas, c'est que à chaque accord, vous pouvez chanter une note. Donc l'idéal, c'est de chanter la fondamentale. Oh, ça alors, les accords que je vous ai montrés, leur fondamentale définissent la pentatonique mineure de La. Quelle coïncidence. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de penser à ces notes-là et d'essayer de chanter un riff
Donc vous donnez le tempo qu'on va viser à la fin, qui est ça à peu près, et on va chanter un riff par exemple. Pin, 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 pin. Bon, pas top. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 pin. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Il y a un autre truc qui est important, c'est donc cette beaucoup d'accords qui sont piqués, qui durent pas longtemps, et des fois, pourquoi pas des accords tenus. Un autre truc qui est très important, qui va faire groover la rythmique, c'est bon, bah, de jouer dans la pulsation, ça c'est évident, d'avoir un son qui est propre au niveau des accords. Ça c'est un peu un prérequis, j'en parle pas dans cette vidéo, mais si vous faites... ça va pas marcher évidemment, donc il faut étouffer les bonnes cordes, les cordes dans les graves qu'on cherche pas à jouer, comme dans le La majeur, on va les étouffer bien sûr. Mais le truc qui est assez important qui va faire que la rythmique est percussive, c'est qu'on va essayer d'utiliser pas mal de contretemps. Ça va créer un petit suspens et puis un truc qui est beaucoup plus, qui marche beaucoup mieux que juste tin 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 tin. Si on fait une rythmique comme ça, ça va pas marcher. Ça sonne pas. On va plutôt faire. Plutôt quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner la piste de batterie et je vais chercher des rythmiques à ce tempo-là. Donc vous, si c'est trop difficile pour vous, essayez de trouver, parce que c'est assez rapide, 130 BPM, essayez de trouver des pistes de batterie ou de ralentir la piste de batterie aussi. Essayez de la mettre plus lente et de chercher des rythmiques un peu plus lentement en cherchant des riffs sympas. Une fois que vous avez quelque chose, essayez, vous avez un riff pas mal, essayez de faire des petites variations à ce riff pour voir si vous pouvez l'améliorer un peu. Je vais faire ça tout de suite, je vais chercher un riff. Puis une fois que j'aurai trouvé, je vous montrerai et je l'expliquerai. Ok, j'en ai un pas mal, il n'est pas encore parfait, mais ça va suffire pour ce tuto. Donc c'est pa da, la la, mi, sol, et là je refais sol, ré et le la. L'alternance sol et ré, on trouve ça très souvent chez ACDC, des fois ils le font avec le ré basse fa dièse. Ta da, tin. Tin, le premier sol il est en l'air, et ensuite pin, le deuxième sol est aussi en l'air, en contretemps. En l'air ça veut dire en contretemps. Ok, donc ça c'est plutôt efficace. Ta, pa da, pin, 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 bon, pa da, pin, pin. Essayez de passer du temps à chercher des riffs. Donc là il y en a plein que j'ai fait avant qui n'étaient pas très. Certains qui n'étaient pas très convaincants, d'autres qui étaient vraiment pas bien, qui sonnaient vraiment pas. Les premiers que j'ai joués, ils sonnaient vraiment pas dans le style. Donc essayez de passer du temps à retrouver ce genre de rythmique. Si vous
vous êtes à court d'idées, vous savez pas comment faire sonner, écoutez des morceaux d'AC/DC, Highway to Hell, écoutez TNT, écoutez Back in Black, c'est des riffs qui sont très percussifs, et inspirez-vous de ces riffs-là. Par exemple, Back in Black, c'est ton. Ta-na-na, ta-na-na. Et après, une phrase... donc voilà, essayez de vous inspirer des riffs de AC/DC pour faire cet exercice. C'est quelque chose qui est vraiment sympa, je trouve, lorsqu'on aime le hard rock, de juste faire tourner une piste de batterie et de chercher des riffs comme ça, des riffs de hard rock. C'est vraiment... C'est un exercice qui est un peu... qui est à mi-chemin entre l'improvisation et la composition. C'est une forme d'improvisation en accord. Et c'est vraiment sympa, je trouve, si vous voulez faire des compositions dans ce style. En plus, c'est une excellente méthode, une excellente façon de faire pour créer des riffs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura motivé à faire cet exercice qui est très sympa, qui est un exercice de composition de riffs de hard rock. C'est quelque chose que j'ai pas mal fait, moi, il y a pas mal d'années. Hein, maintenant, je vais faire un petit peu moins, ça. Allez faire un tour aussi sur mon site si ça vous intéresse, j'ai quelques pages sur le rock et le hard rock, j'ai des formations là-dessus aussi, puis j'en ai une dont j'ai déjà parlé qui est vraiment spécifique sur les phrases rock et la musique d'AC/DC, ou plutôt les phrases rock de Angus Young. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, partagez-la, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, voilà, vous connaissez le refrain maintenant.